J'espère que vous avez aimé cette recréation de ma plante carnivore mangeuse d'humains, en tout cas moi, oui. Alors pour commencer cette magnifique création, on utilise du polymorphe, donc du plastique thermoformable. Donc c'est des petites billes de plastique qui fondent dans de l'eau chaude. Ça va permettre de faire une pâte et cette pâte je vais la modeler et en fait je vais créer des dents bien pointues et aiguisées. Pour réaliser ces dents, je vais venir former un gros boudin que je vais venir couper au milieu avec un ciseau en diagonale et j'aurai juste à les rouler sur la table. Alors l'avantage avec le polymorphe, c'est qu'on peut le réutiliser une fois qu'il a durci, il suffit juste de le remettre dans l'eau chaude et ça redevient en fait la pâte malléable qu'on avait au début. Donc aucune perte et aucun raté. Ensuite, pour réaliser la prothèse en latex, on a besoin d'un face cast, donc c'est le moulage de mon visage en plâtre. Et je vais venir avec de la pâte à fixe boucher en fait les endroits où je n'ai pas envie que la prothèse aille, donc au niveau du nez, de la bouche pour pouvoir respirer et au niveau d'un œil pour au moins voir d'un seul œil. Donc je vais utiliser environ un tiers de farine pour deux tiers de latex, ça va me former une pâte et cette pâte du coup je vais l'appliquer en base pour ma prothèse. Pour donner à ma prothèse la forme pointue au niveau du crâne et au niveau du menton, je vais utiliser des morceaux de papier aluminium que je vais planter dans le latex et je vais pouvoir du coup appliquer le restant du latex dessus. Ça va me permettre de créer une structure. Une fois que j'ai cette structure, je vais venir avec une deuxième pâte à latex. Cette fois-ci, j'ai réduit le niveau de farine pour que la pâte soit plus liquide et surtout plus lisse. Une fois que j'ai obtenu la forme désirée pour ma prothèse, je vais venir prendre un bol avec du latex pur et je vais venir lisser la prothèse avec mes doigts. Ok, alors maintenant on passe à la partie plus créative. Donc en fonction des dents que vous allez pouvoir les positionner un peu là où vous voulez au niveau de la bouche. Donc moi j'ai utilisé les grandes dents vers le milieu, les plus petites vraiment vers l'extérieur et les moyennes. En fait je suis partie en dégradé en rejoignant le centre vers les plus grandes. Bon alors notre prothèse elle a reposé environ 2 jours pour permettre au latex de sécher entièrement. Et on va maintenant pouvoir la peindre. Donc on utilise de la peinture acrylique et on commence avec une base entièrement verte en évitant la zone des gencives. Je vais ensuite utiliser du jaune pour créer des zones de lumière et une éponge à texture qui va me permettre d'obtenir un effet plus réaliste de la prothèse. Pour les gencives, je vais venir contourner les dents avec un rose et je vais venir ensuite flouter les bords avec un pinceau et de l'eau. Alors pour les dents, je vais venir les jaunir, ça va permettre d'avoir un look plus effrayant. Comme je trouvais que les gencives n'étaient pas assez au point, je suis venue avec l'éponge à texture flouter un peu plus les bords et j'ai rajouté un peu plus de dimension avec un marron plus foncé au niveau de la racine des dents. Et ce marron, je vais venir l'appliquer également à la racine des dents en dégradé vers le jaune. Alors pour faire briller cette magnifique création, on utilise un vernis en spray. Ça va permettre de faire ressortir tous les petits détails de cette prothèse. Pour la touche finale de cette prothèse, j'utilise une brosse à dents et de la peinture acrylique jaune et je vais venir éclabousser toute la prothèse
et avec mon éponge à texture répartir toutes les petites gouttelettes jaunes. La peinture et le vernis sont secs, on va pouvoir maintenant démouler la prothèse et on va avec un ciseau découper tous les bords irréguliers. Et c'est parti pour la pose, alors on commence avec de la peinture pour le corps à eau verte et je vais peindre en fait tout mon corps en vert et je vais créer des nuances de couleurs comme pour la prothèse, donc avec du jaune au niveau des épaules, des clavicules et on n'oublie pas les bras également. J'applique ensuite mon faux crâne en latex que je vais venir coller au front. Et on va venir le peindre en vert également. Pour les épines au niveau du corps, je vais venir commencer en appliquant du latex, puis du coton et de nouveau du latex dessus. Ça va me permettre d'y placer l'épine, puis je vais venir appliquer tout autour la même pâte qui m'a servi pour la prothèse, donc un tiers de farine, deux tiers de latex autour. Pour le visage, je vais repartir avec les mêmes couleurs de base que j'utilisais pour la prothèse. Donc je commence avec le marron, puis je fonce avec du noir et encore du noir plus foncé. Ça va permettre de rendre mon visage invisible sous la prothèse. Une fois que le latex est sec, je vais venir pouvoir le peindre en utilisant le même vert que j'utilisais pour le corps, puis du marron au niveau de la base, comme pour les dents de la prothèse. Pour la fixer, on utilise de la colle à prothèse, que j'ai appliquée donc sur les contours de mon visage et également à l'intérieur. Puis on l'applique et on attend que ça colle. Alors en essayant de voir ce qu'on fait, on va peindre ses mains en partant du noir vers le vert en dégradé. On ajoute maintenant nos faux ongles réalisés en polymorphe qui sont bien effrayants et du faux sang parce que c'est terrifiant et qu'on a mangé un humain succulent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bye !